Une seule dose de vaccin serait-elle suffisante pour les personnes ayant chopé le virus? Bonjour à tous les amis sur Facebook, YouTube, Instagram qui regardent cette vidéo. Je suis Noé Belaï, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voici le 14e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact-Checking, Hawla Tahaqqaq Min Al-Ma'loumat. Une initiative qui a été réellement lancée avec la troisième vague du coronavirus en Tunisie. Alors la question qui se pose aujourd'hui, une question très importante, est-ce que réellement une seule dose du vaccin, quelle que soit bien évidemment la nature du vaccin, serait-elle donc suffisante pour les personnes ayant déjà chopé le virus? C'est-à-dire, est-ce qu'une seule dose est-elle efficace, entre autres? Vous avez chopé le virus, on vous a donné une seule dose de vaccin et vous pensez réellement qu'ils vous ont volé votre dose de vaccin. C'est ce que vous pensez déjà pour la donner à quelqu'un d'autre. Une question qui interpelle beaucoup d'entre vous qui ont chopé le virus et qui ont reçu donc une seule dose de vaccin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé contre le virus. La dose unique de vaccin jouera un rôle de rappel. Alors la question là, comment ça? Alors les experts de la Haute Autorité de Santé en France ont confirmé février dernier dans un communiqué remis au public que réellement les personnes ayant été infectées par le coronavirus devraient ne recevoir qu'une seule dose de vaccin. Et quel que soit le type de vaccin, c'est-à-dire AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac, ou n'importe quel vaccin. Pour quelle raison? Tout simplement parce que une fois que vous avez chopé le virus, votre corps développera systématiquement des anticorps et votre immunité sera plus forte contre le coronavirus. C'est-à-dire donc vous pouvez tout simplement voir, en faisant un test, bien évidemment, voir le pourcentage d'immunité. D'ailleurs, Dominique Le Gludec, présidente donc du Collège de la Haute Autorité de Santé, qui vient de publier ce communiqué dont on vient vous parler, confirme que la protection vaccinale des personnes qui ont été infectées par le virus est meilleure après une seule dose de vaccin que celle des personnes n'ayant jamais été infectées après deux doses. Et ceci, quelle que soit l'ancienneté de l'infection, c'est-à-dire après 3, 4, 5, 6, une année, donc il n'y a pas une différence. Entre autres, faire le vaccin après avoir chopé le virus vous protège beaucoup plus contre le coronavirus. Donc si vous avez chopé le virus, vous avez à attendre 4 mois. Puis, contentez-vous d'une seule dose de vaccin, ça vous protège suffisamment contre le coronavirus. Donc, ne vous inquiétez pas. C'était le 14e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact-Checking, Hawla Tahaqqaq Min Al-Ma'loumat. J'espère que j'ai réussi, comme toujours, à vous donner une réponse claire et convaincante. Reste à vous dire à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte donc Facebook ou à ma chaîne sur YouTube pour suivre donc les notifications par rapport aux questions reliées au coronavirus. Et bien évidemment, vous trouverez plus de détails par rapport à ce sujet dans mon article publié sur Espace Manager qui sera ajouté, donc son lien sera ajouté dans le descriptif de cette vidéo. À la prochaine vidéo et à la prochaine semaine. Merci.